Est-ce que c'est bon là le son? Allô, vous m'entendez? Super. Ok, désolé pour ça. Du coup, je disais, on a deux charges utiles scientifiques. Ah oui, je m'entends en double. On a deux charges utiles scientifiques, une du VKI, un Institut de dynamique des fluides situé en Belgique, qui nous donne un appareil de mesure de la densité de particules dans l'atmosphère, aux orbites basses, et une charge utile ENERA qui est liée à la propulsion. C'est une charge utile qui va mesurer le taux de retour des particules éjectées par le moteur sur les satellites. En effet, le propulseur de Trusmi utilise de l'iode, un carburant assez nouveau pour la propulsion électrique, qui peut avoir des risques, vu que d'habitude on utilise des gaz nobles, et l'iode est potentiellement réactif. Et donc cette charge utile va étudier l'effet potentiellement néfaste de cette propulsion sur la plateforme. Donc là, ce n'est pas la première fois qu'on donne cette présentation, mais je vais quand même reparler de l'objectif d'IONSAT, quelle était sa mission. Donc, c'est un satellite qui va nous permettre d'explorer la faisabilité des missions CubeSat en orbite très basse, en Very Low Earth Orbit, donc sous l'orbite de la Station spatiale internationale. Donc, c'est une orbite qui est assez intéressante, mais qui est peu utilisée. Donc, elle est intéressante, on a parlé de SpaceX, il y a moins de latence, c'est pour ça qu'eux-mêmes envoient des satellites à une orbite très basse, pas aussi basse que ça, mais on va réduire la latence entre le sol et le satellite. On va aussi avoir une meilleure résolution pour les satellites d'observation de la Terre, vu qu'on est plus proche du sol. C'est aussi intéressant pour les recherches sur l'atmosphère, c'est ce qui a intéressé le VKI, c'est ce qui a aussi motivé la première mission de CubeSat de l'X avec XCubeSat qui est ici, qui était une étude justement de la composition de l'atmosphère, qui est à une orbite très basse. Et le dernier avantage, surtout pour les missions étudiantes, c'est qu'on n'a aucun problème à respecter la loi sur les opérations spatiales qui demande à ce que le satellite soit désorbité moins de 25 ans après la fin de la mission. À ces altitudes-là, c'est plutôt de l'ordre de l'année que de 25 ans qu'on a un retour sur Terre. Mais le problème, j'ai parlé de l'atmosphère, en effet, à ces altitudes, la traînée atmosphérique a une influence très importante sur l'orbite, ce qui fait qu'on respecte la loi sur les opérations spatiales, mais aussi que les missions ont une durée très courte. Donc c'est surtout un problème pour les CubeSats, vu que comme ils ont une masse beaucoup moins importante, ils sont beaucoup plus sensibles à cette traînée, ce qui fait que par exemple pour XCubeSat, qui était parti à l'altitude de la station spatiale, la mission a duré un peu plus d'un an, avec une dégradation très rapide de l'orbite. Donc le but, c'est de voir est-ce qu'un CubeSat peut utiliser une propulsion électrique pour stabiliser son orbite à des altitudes très basses, pour servir de plateforme à toutes les missions qui ont besoin d'une telle altitude. Donc voilà un peu le plan de mission tel qu'il est actuellement. On va partir, bien sûr, on n'a pas de lanceurs qui vont nous lancer directement à cette orbite très basse, et ça sera un peu dangereux de commencer la mission et de faire la phase de reset en vol alors qu'on a un temps limité dans une atmosphère à incidence. Du coup, on va partir assez haut et faire une première phase de descente, notamment avec de l'aérofreinage. On a un satellite qui est. Bon, vous allez voir sur les salles suivantes, dont la géométrie va nous permettre d'avoir un mètre couple assez fin quand on l'oriente correctement, mais à l'opposé, si on change l'attitude du satellite, on peut freiner au maximum avec les générateurs solaires en particulier, pour descendre le plus vite possible, peut-être même avec le propulseur si besoin. Et ensuite, une fois atteint 300 km, on va descendre par palier, faire des paliers de 10 km en descendant le plus bas possible, jusqu'à ce qu'on atteigne une limite où les forces de traînée atmosphérique seront plus fortes que ce qu'on peut compenser avec le moteur. Donc, il y a beaucoup de choses dans un satellite. Là, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tous les sous-systèmes dans les 10 minutes qu'il me reste. Donc, je vais me concentrer sur deux choses. La partie puissance, vu que c'est un peu le nerf de la guerre pour cette mission. On a quand même un moteur qui nécessite 50 watts de puissance, ce qui est beaucoup pour un CubeSat. Surtout que nos générateurs solaires ne permettent pas d'avoir tout à fait ces 50 watts. On doit donc pousser avec un certain rapport cyclique, recharger nos batteries, continuer à pousser, etc. Donc, ce qui nous met pas mal de contraintes sur la mission. Et je vais parler un peu plus de ça. Et aussi, je vais parler de la partie communication, vu qu'il y a eu des avancées assez intéressantes faites par les groupes d'élèves de cette année. Et bon, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens qui sont ici, je suis sûr. Donc, pour la partie puissance. Alors, comme je vous l'ai dit, l'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre. On va être capable de produire de l'énergie avec nos générateurs solaires le plus souvent possible. Du coup, l'orbite qui a été choisie pour IONSAT, c'est une orbite héliosynchrone, qui se situe idéalement au-dessus du terminateur jour-nuit. C'est-à-dire, là, vous avez sur ce tableau la faisabilité de la mission en fonction de l'heure locale du nœud ascendant au début de la mission. Donc,
L'heure locale du nœud ascendant, ça va être quelle est l'heure locale du satellite au moment où il passe, où il traverse l'équateur. Donc là, vous voyez, on commence, ça va de minuit à 23h, et on voit sur la troisième colonne, la faisabilité de la mission va être, la mission va être possible si on a une orbite qui a un nœud ascendant vers minuit ou vers midi, donc c'est ça, au-dessus du terminateur. Mais le problème, c'est qu'on va changer l'orbite au cours de la mission, ce qui va faire qu'on va perdre le caractère héliosynchrone de notre orbite. Ce qui fait qu'en fait, l'heure locale du nœud ascendant, si on veut, va dériver au fil de la mission, au fur et à mesure qu'on descend. Ce qui fait qu'on va perdre cette orbite intéressante, qui a la particularité d'avoir un plan perpendiculaire à la direction du Soleil, ce qui fait qu'on évite au maximum de passer dans l'ombre de la Terre. Mais on va perdre cette caractéristique, ce qui fait qu'on peut avoir des moments de la mission, on va avoir des éclipses, et on ne pourra plus générer de puissance. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit qu'il vaut mieux partir un peu après minuit ou une heure, parce que la dérive va du plan de l'orbite va nous ramener dans cette condition au-dessus du terminateur plus tard dans la mission. Et on voit qu'au final, on a assez peu de flexibilité sur l'orbite initiale. Et c'est pour ça qu'en fait, on réfléchit à redéfinir un peu notre système de puissance pour augmenter la taille des générateurs solaires. Et ainsi, avec plus de puissance générée quand on est exposé au Soleil, on aura plus de flexibilité sur les orbites de départ, ce qui pourrait potentiellement nous permettre d'avoir un lancement moins cher. Sachant que ces orbites sont quand même assez demandées, donc il y a pas mal de lanceurs qui y vont, mais ça coûte assez cher. Donc ça nous, là vous voyez sur l'agencement actuel du satellite, on a 18 unités, enfin carrés de 10 x 10 de générateurs solaires, avec des panneaux qui se déploient, donc des panneaux pliés en deux sur les côtés qui vont se déployer pour avoir un maximum de surface. Et on pense changer cet agencement, c'est-à-dire basculer le satellite de 90 degrés et avoir des panneaux déployables, mais sur les faces de 3 x 2 U. Ce qui nous permettrait d'augmenter pas mal la surface, mais il va falloir payer le coût pour ces panneaux supplémentaires. Donc, après la puissance, passons un peu à ce qui a été fait au niveau des communications. Donc, pour rappel, on a deux canaux de communication, bande S et bande UHF. Donc, ça a un peu évolué peut-être depuis la dernière fois que je vous ai présenté. On comptait utiliser la bande UHF un peu en mode nominal, pour les TMTC, et utiliser la bande S surtout pour les grosses descentes de données et potentiellement les mises à jour du système de bord. Mais de par les recommandations du CNES, on va plutôt faire passer le mode nominal sur la bande S. En effet, le CNES va nous proposer d'utiliser des antennes AE à Osagel notamment. Mais on a décidé de quand même garder la bande UHF, notamment parce qu'on avait gardé une place pour la carte SPINO. Donc il y a une place et des antennes qui sont prêtes à accueillir une potentielle charge utile radioamateur. Donc, ce qui a été fait de sympa cette année, c'est que les élèves ont vérifié un peu nos choix d'antennes avec des simulations ANSYS-HFSS, donc des simulations du diagramme de rayonnement des différentes configurations d'antennes qu'on avait sur satellite. Donc on a pu avoir des informations assez intéressantes grâce à ça, notamment qui vont nous faire changer un peu l'agencement des antennes qu'on avait, notamment maintenant que la bande S a pris pas mal d'importance. Donc voilà, là on a un exemple de simulation qu'ils ont fait, donc ça c'est sur la bande UHF. Mais ce qui peut être assez intéressant, c'est pour ce qui est de la bande S. En fait, ce qu'on avait prévu de faire, vu que l'altitude du satellite est très fortement conditionnée par la mission, on doit tout le temps pointer la face la plus fine du satellite en direction du vecteur vitesse pour minimiser la traînée atmosphérique. On avait pensé mettre une antenne bande S sur la face inférieure du satellite, celle pointée vers la Terre, et aussi une antenne vers la face avant, pour maximiser le temps de contact avec la station sol quand on passe au-dessus de Paris ou de Toulouse. On pourrait commencer à parler avec le satellite via la bande S dès que la face avant est visible. Mais on se disait qu'il y aurait potentiellement des problèmes d'interférence, et c'est ce qu'on peut voir sur la figure de droite. Vous avez les diagrammes de rayonnement de cette bande S, avec à droite la configuration avec une antenne sur la face avant, une antenne sur la face inférieure, et à gauche avec deux antennes sur deux faces opposées, la face inférieure et la face supérieure. Et comme on pouvait s'en douter, il y a pas mal d'interférences entre les deux antennes dans la configuration avec deux antennes à 90 degrés. Ce qui fait que si on regarde le bilan de liaison au final, là vous avez la force du lien, le bilan de liaison en décibels en fonction de l'élévation vue de la station sol. Et on voit à gauche, quand on a deux antennes à 90 degrés, bah on va voir ces interférences qui vont nous faire couler le bilan de liaison quand on est à 90 degrés de visibilité. Alors qu'en fait, si on prenait deux antennes sur des faces opposées, ou même simplement une seule antenne sur la face du bas, bah on a un bilan de liaison à peu près équivalent en termes de valeur absolue, mais sans cette perte principale, sans cette
sans ces pertes à 90 degrés. Du coup, on va plutôt partir sur cette solution-là, d'autant plus qu'en changeant, en augmentant la surface de panneaux solaires, on va pouvoir en enlever un quand même sur la face du dessus pour mettre une antenne, ce qui était difficilement négociable avant. Ok, la conclusion est arrivée là, je ne sais pas pourquoi. On a aussi fait ces études, bien sûr, sur la bande du HF, qui nous a permis de confirmer qu'on avait quand même un diagramme de rayonnement très acceptable avec cette bande-là. On a récupéré les antennes d'Endurosat, si je ne me trompe pas, donc, qui nous permettent d'avoir quelque chose d'assez appréciable, ce qui nous permettra surtout d'avoir une sécurité en cas de mode survie où on ne contrôle pas l'altitude du satellite. On espère pouvoir compter sur la bande du HF pour régler les problèmes qui arriveraient en cas de défaillance du mode du système de contrôle. Ok. Et donc, pour finir, ça fait longtemps que ce projet existe et ça continue à avancer pas mal. Chaque génération d'élèves apporte sa brique au projet. Notamment cette année, les étudiants ont commencé à faire des tests avec des équipements d'ingénierie. Notamment, on a un modèle d'ingénierie de l'ordinateur de bord et de la carte GPS, il me semble. Je ne sais pas si on a récupéré d'autres choses. Mais en tout cas, les élèves commencent à tester justement les interactions entre ces différents composants dans l'idée de faire un flat-sat le plus tôt possible. Mais malheureusement, les élèves ne peuvent pas tout faire. En effet, un groupe qui change chaque année, ça fait ce turnover n'est pas très bon pour certaines parties du projet, notamment le développement logiciel et ce genre de choses. C'est pour ça que le Centre spatial étudiant, avec l'aide de la chaire, recrute des ingénieurs pour effectuer ce genre de tâches qui nécessitent plus de continuité. Et enfin, comme je vous ai dit, avec les bandes réservées avec nos systèmes de communication UHF qui pourraient servir d'hôtes pour la carte Spino et pour tout ce qui est des charges utiles. On est ouvert à toute collaboration, notamment on va peut-être avoir besoin un peu d'aide de votre part pour la station sol qu'on a à Polytechnique. Elle était active à l'époque d'XUPSAT, mais on a déménagé depuis et là on attend les travaux pour pouvoir la réinstaller sur un nouveau bâtiment LX. Et ça va être très sympa, on a hâte de mettre ça en place et peut-être même la connecter à SatNOX pour lui donner un peu d'utilité le temps que IonSat soit en ligne. Voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Il y a Lucas, le directeur du Centre spatial, qui est ici. Donc à nous deux, on devrait pouvoir répondre à pas mal de questions sur le projet. Oui. Alors, donc pour la première question, je ne sais pas si tu as des infos de Ricardo à propos de ça. Je pense qu'on va essayer de faire au plus vite, c'est-à-dire d'utiliser le modèle d'ingénierie comme modèle de qualification, je suppose. Ouais, surtout, on va beaucoup se reposer sur l'expérience de la NanoLab Academy. À part le système de puissance, on va beaucoup utiliser d'éléments de leur kit, donc d'éléments qui ont déjà volé sur ISAT et qui vont voler sur d'autres missions. Donc ça va nous faire gagner du temps sur la qualification de pas mal de composants. Mais pour ce qui est du satellite global, ouais, on va essayer de faire. On va être un peu limité, on ne pourra pas faire trois modèles différents. Et ensuite, le choix de la. Tout passer en UHF, si je me souviens bien, ça fait longtemps que cette décision a été prise. Il me semble que c'était à l'époque où on avait prévu de prendre deux cartes UHF, donc Spino et une autre potentiellement. Et là, on était limité par les antennes. Il fallait trouver un moyen de connecter ces deux cartes aux antennes sans avoir de retour de la puissance d'une sur l'autre, etc. Et on avait trouvé une solution assez sympa avec les antennes qu'on avait précédemment. On avait quatre antennes UHF et on pouvait connecter chacune des cartes sur une polarisation différente. Là, maintenant, on a pris d'autres antennes qui ne permettent pas ça, mais on est passé qu'à une seule carte et on est resté à du simple
simplement de l'UHF. Mais je peux pas répondre avec plus de détails à cette question. Ouais, bah là justement avec l'UHF, on a quand même un bon diagramme de rendement et on veut faire du TM ETC tout en UHF. Okay, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on va pouvoir commencer la pause un petit peu en avance. Ok, bah, mais merci beaucoup de votre attention. C'est toujours un plaisir de venir présenter ce projet à cette conférence. Surtout, on a toujours l'occasion de discuter avec d'autres organismes qui sont dans le même cas que nous, d'essayer de faire un CubeSat avec des étudiants, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui est au moins très enrichissant pour nous et pour les étudiants. Voilà, merci beaucoup.